Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel on va apprendre à jouer à la bataille. Donc on va commencer par le matériel qu'il faut pour jouer à la bataille. Donc il faut un jeu de cartes. Un jeu de cartes qui est composé de quatre familles. Donc des cœurs, des piques, des carreaux et des trèfles. Donc là je vais prendre les trèfles pour faire une démonstration. Donc pour les trèfles, alors dans chaque famille, il y aura... plus 13 cartes en tout, donc l'as qui sera la carte la plus forte, ensuite viendra le roi, ensuite la dame, ensuite un valet, le 10, le 9, le 8, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3 et le 2. Donc voilà. Là, c'était dans l'ordre décroissant, donc de plus grand au plus petit. Ce jeu, 13 cartes par famille, donc 13 fois 4, ça fait 52, donc il y a 52 cartes, auxquelles on peut ajouter des jokers, si l'on veut. Donc là, ils sont représentés de cette façon. Il y a souvent marqué joker, donc comme sur celui-là, joker. Et donc, on obtient un jeu avec en tout 54 cartes. Donc, on va le mélanger pour expliquer les règles. Donc, pour commencer, donc là, les cartes, elles ont été mélangées. Donc, vous voyez, hop, il n'y a plus, elles ne se suivent plus, elles sont plus dans l'ordre. Donc, là, on a un paquet de 54 cartes qu'on va diviser en deux parties. Donc, comme ça, on les distribue parce que la bataille est un jeu qui se joue à 2 et non pas à 3. Enfin, on peut jouer à 3, mais bon. C'est plus compliqué. Là, je vais vous apprendre à jouer à deux. Hop, 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 hop. Donc voilà, là, on obtient deux paquets pour deux joueurs. Donc, ces deux joueurs auront chacun un paquet. Alors, la bataille. On va apprendre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai présenté les cartes dans l'ordre décroissant. Donc l'as étant la plus forte et le 2 étant la plus faible. Et le joker bat évidemment l'as et toutes les cartes, toutes les autres cartes. Donc là, ça va être un jeu complètement aléatoire. Donc, par exemple, quelqu'un, hop, là, il sort un 2. Et celle-ci sort un 3. Donc, par conséquent... Le hasard fait que ce joueur gagne parce qu'il a sorti un 3 et l'autre un 2. Donc le 3 étant plus fort que le 2, le joueur qui se trouve ici va remporter donc les deux cartes qu'il va mettre de côté ou n'importe où. Donc on peut refaire ainsi de suite. Hop. Donc là c'est encore le joueur de droite ou de gauche. Voilà, encore. Et... on procède ainsi de suite, donc voilà, chaque fois, là, c'est l'autre joueur qui a gagné, et ainsi de suite, donc jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Donc à la fin, on va se retrouver environ avec ça, il va y avoir les dernières cartes, voilà, les deux dernières cartes, par exemple, hop, on les retourne, hop, voilà, donc c'est celui-là qui a gagné. Et une fois que aucun des deux joueurs n'a de cartes, quand un joueur n'a plus de cartes, il prend le paquet qu'il a accumulé. Et là, ça dépend. Si on veut continuer à jouer, on reprend le paquet, on le retourne et on recommence à retourner les cartes. Ou alors, on arrête et on commence à compter les cartes. Donc là, il y en a la moitié à peu près, un peu plus. C'est celui qui a le plus de cartes qui a gagné. Et on peut refaire une partie, ainsi de suite. Alors, ensuite, il y a un autre cas de figure, où par exemple, là, il y a un 4, voilà. Et l'autre joueur sort aussi un 4. Donc, ils sont comme ceci. Les deux joueurs sortent la même carte. Ici, c'est un 4. Ça pourrait être n'importe quelle autre carte. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont poser une carte face cachée, comme ceci. Et ils vont en retourner une autre. Hop. Et voilà. Et là, c'est ce joueur qui a gagné. Donc, il empoche toutes les cartes. Et il a gagné. Donc... il gagne les 6 cartes au lieu de 2 ou de 4. Donc voilà. Ensuite, lorsque une partie s'arrête, lorsque par exemple
lorsqu'un joueur a gagné toutes les cartes. Donc, imaginons qu'un dernier joueur soit comme ceci. Ce soit la dernière carte du joueur qui se trouve ici. L'autre, il retourne leur carte. Hop, hop. Donc, ce joueur a gagné. Hop, il empoche les cartes. Comme ce joueur qui se trouvait ici, il n'a plus de cartes. Et bien, c'est par conséquent celui qui a toutes les cartes qui a gagné dans le cas où l'on continue de jouer à la fin de son paquet. Donc, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Maintenant, vous savez jouer à la bataille. Et merci.